Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour notre deuxième vidéo, ça sera encore l'Allemagne, c'est la deuxième partie. Cette fois, c'est la Bavière. Alors là, exceptionnel pour nous, on s'est régalé. Vraiment un endroit, une région superbe, hein, Magnifique, magnifique, magnifique. avec des pistes cyclables. À perte de vue, vous pouvez faire d'est en ouest l'Allemagne, enfin le sud de l'Allemagne, oui. Vraiment. Pour les cyclistes et pour le camping-car, c'est le top. Donc c'est vrai qu'on a peu vu de Français, je crois qu'on en a vu 3 ou 4. On voit beaucoup d'Allemands, bien sûr, mais ce n'est pas un pays très très prisé par les camping-caristes, mais un conseil, allez-y, c'est super. Alors on va passer à notre deuxième vidéo. Alors j'espère que la première vous a un peu plu. Celle-là, elle est à notre goût un peu mieux. Ben, on s'améliore, hein? On s'améliore. Voilà. Donc... Ben, on essaye. Bon, thank you.
petite raclette par ce soir de fraîcheur où il fait 20 degrés à peu près dehors. Donc, c'est le moment de faire une raclette. Et même les bébés, ils en veulent, je pense aussi. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce que tu veux? Tu en veux encore? Tu en veux beaucoup? Alors voici un appareil que j'avais encore jamais vu dans une aire ou un camping. Là nous sommes dans une aire au bord d'un lac en Allemagne et je perçois cette borne donc pour nettoyer les cassettes. Donc plus besoin de se salir les mains, les odeurs. Donc vous voyez c'est tout simple. Avec votre carte, donc vous sélectionnez, bon ça coûte 2 euros. Vous sélectionnez votre type de cassette, une de ces 6 là, ou une de ces 2 là, et puis c'est parfait, vous appuyez sur start, et la trappe s'ouvre, vous rentrez votre cassette à plat, et le tour est joué. Voilà, et au bout de 2 minutes, votre cassette sort même avec du produit. Bon là c'est un produit allemand, je sais pas ce que c'est, si c'est, ouais ça a l'air écolo, ça, je sais pas, enfin ça a l'air. Thank you.
Alors là, le plaisir suprême. Pour un petit clin d'œil à mes amis supporters du PSG, vraiment, dormir au pied du stade sur une aire pour les camping-cars, quand il n'y a pas les matchs, bien sûr, le top du top de nuit, le stade qui s'éclaire la nuit, vous avez vu en rouge, c'est magnifique. Et là, je n'ai pas pu faire d'image du drone, puisque c'est interdit de survoler le stade pour voir le terrain avec le. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. As I'm still walking down the road, all that I do is to sing my song. But I'm so glad that sadness hasn't found me. Waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. Sitting behind a cloud, a strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you. Feel it all, but we won't keep trying to break each other's hearts. To a place where we all can find a space. And the time we need to fix our broken parts, our broken parts, our broken parts. L'escapade en Bavière se termine, donc j'espère que ça vous a plu. Nous vraiment, je vous le répète, on s'est régalé, vraiment. C'était super chouette et ouais, très typique. Donc les gens, comme tous les Allemands, un peu rigides, mais une fois qu'ils sont, on leur fait un petit sourire, ça va mieux, ça les dégèle un petit peu. Ça les détend. Ouais. Donc, la prochaine vidéo, ça sera la fin de notre voyage en Allemagne, c'est-à-dire la route au romantique. Là, c'est pour les amoureux. Non, je plaisante. C'est une traversée de très, très beaux villages. Vraiment sympa. Donc, alors, n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Si ça ne vous plaît pas, vous mettez rien, c'est pas grave. Et puis, abonnez-vous pour avoir la suite de nos aventures. Voilà. Allez, à bientôt au prochain épisode. À bientôt. Bye bye.